hip-hop, c'est exprimer d'abord notre profonde gratitude et reconnaissance au peuple cubain et au gouvernement du Cuba. Parce que c'est lui qui vient de partir, c'est pour nous un père. Il a été pour nous, si j'ose dire, aussi un maître à penser, qui a inspiré notre peuple. Vous n'êtes pas sans ignorer que le camarade Casso, le commandant, a été sur la première ligne de la lutte pour la libération de l'Afrique, notamment avec son appui et son soutien au combat mené par les camarades Sam Nujoma en Namibie, les camarades Mugabe au Zimbabwe, le camarade Amilcar Cabral en Guinée. Et ça, ça a permis à la jeunesse africaine d'exprimer ses aspirations les plus profondes. Notre aspiration était, ses aspirations étaient ceux de la liberté, de l'indépendance et de la souveraineté. Et le camarade Casso avait compris mieux que quiconque, dès le premier instant, d'être là à nos côtés pour nous accompagner. Donc c'est pour nous un hommage, mais c'est aussi une volonté de continuer cet héritage que nous venons de recevoir et de continuer la lutte face à toutes ces forces rétrogrades, face à toutes ces forces qui aujourd'hui réfractèrent à toute idée de changement et de progrès. Et nous voulons continuer cette lutte, c'est pourquoi nous avons voulu communier ce moment avec toute la nation cubaine, mais aussi tous les peuples opprimés du monde qui ont retrouvé l'espoir à travers cette lutte ô combien noble menée par El Comandante Fidel Castro. Merci beaucoup. Votre nom, c'est moi Zulu Diabanza. Je suis le porte-parole de l'UDC, Unité, Dignité, Courage, un mouvement panafricain qui lutte pour la libération de l'Afrique. Cette libération, comme je disais, de la domination monétaire, politique, économique, lequel d'ailleurs que le commandant Castro avait mieux compris que moi. Merci beaucoup. Merci à vous. Pardon, monsieur, excusez-moi de vous déranger. La paix de l'Ibona, Asimbonanga, Asimbona, Mande la Sina, la paix. Asimbonanga, Asimbonanga, Mandela Sina, la pekona, la pefeli kona, Kiti hewena, 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 hewena nawe, so. La sako, iti hewena, 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 hewena nawe. Sofiga nini la sako, asimbonanga. Lors de son passage au Congo. Je pense que si nous avions compris ces gestes,
Peut-être que le Congo ou la sous-région n'allait pas subir toutes ces épreuves ô combien douloureuses que nous subissons aujourd'hui, dont de manière générale sont des épreuves qui ont été causées par ces forces rétrogrades et colonialistes qui jusque-là rendaient notre mère patrie africaine. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous êtes là en train de signer face au portrait? J'ai rêvé tout au long de ma jeunesse qu'à un moment donné arrivera où j'essaierai peut-être physiquement aux côtés d'elle commandante et pour être inspiré de ses déterminations. Mais aujourd'hui, je sens qu'il est là et que je suis avec lui. Et je pense que cet héritage que nous allons dorénavant veiller, nous tous, aux côtés du nouveau commandant et Raoul Castro, nous veillerons à ce que cet héritage-là ne tombe pas et que personne ne puisse abjuguer ni abandonner cette lutte noble que nous menons pour la libération, je dirais, de l'humanité tout entière, de toutes les forces de domination et de toutes les forces rétrogrades et réfractaires à l'esprit du changement et du progrès. Merci. Tu peux prendre votre nom? Moi, Zulu Diabanza. Je suis le porte-parole de l'UDC, Unité, Dignité, Courage, le mouvement panafricain qui lutte pour la libération, justement, de notre mère patrie, l'Afrique, permettre à l'Afrique aujourd'hui de récupérer ses richesses, à l'Afrique d'être libérée de toutes ces formes de domination culturelle, économique, financière et politique qui nous a été imposée depuis aujourd'hui quelques décennies. Asimbonanga. Asimbonanga, asimbonanga, Mandela tina, la pekona, la pekeli kona, asimbonanga. Asimbonanga, asimbonanga, Mandela tina, la pekona, la pekeli kona, asimbonanga.